Muy buenos. Bonjour tout le monde, je m'appelle Sylvana Luciana, chef du programme des maladies non transmissibles de l'OPS à Washington. C'est un grand honneur pour moi que de vous dire bonjour et de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire sur le cancer chez les enfants. Comme vous l'avez pu le voir dans la vidéo, nous avons l'interprétation simultanée dans quatre langues: anglais, espagnol, portugais et français. De telle sorte que nous vous invitons à faire votre choix. Vous prenez la langue dans la map monde qui est au bas de votre écran et vous choisissez votre langue. Car la séance va se dérouler uniquement en anglais et en espagnol, en tout cas essentiellement. Donc, merci de vous être branchés. C'est vraiment une grande émotion, un grand enthousiasme pour nous de pouvoir lancer cette nouvelle publication. Une édition spéciale du journal professionnel de l'OPS. La publication coïncide avec la 50e année de l'initiative mondiale pour lutter contre le cancer des enfants avec toutes les parties prenantes de l'OPS. Donc, les documents que l'on retrouve dans cette publication reprend le travail qui a été fait au cours des dernières années. C'est un grand plaisir que de compter ici sur tous les leaders régionaux, locaux, etc., pour le cancer chez les enfants et les auteurs qui ont publié les articles. Il y en a 15 en tout et il y en a d'autres qui sont en cours de route. Donc, nous allons entendre parler de cette publication et nous donnerons la parole à Monsieur Anselm Hennis, directeur de maladies de la santé mentale. Merci, Sylvana. Je tiens à saluer les représentants des ministères de la santé, des spécialistes du cancer, les points focaux des bureaux nationaux de l'OPS, mesdames et messieurs. Je suis le directeur du département du service des maladies mentales et de maladies transmissibles. Et c'est un plaisir que de vous adresser la parole. Et merci d'être parmi nous aujourd'hui pour un supplément spécial pour le cancer chez les enfants de l'Organisation panaméricaine de la santé et le Journal de la santé publique. Ce supplément spécial reprend le travail conjoint qui a été fait par l'OPS. C'est l'hôpital de Saint-Jude et d'autres organisations s'occupent de savoir ce qui se passe pour les enfants qui ont le cancer, tout en reconnaissant le travail qui a été fait par l'OPS pendant toutes ces années. Le cancer des enfants est essentiellement curable pour la plupart des enfants quand le diagnostic a été fait à temps et quand tout est accessible. Ceci dit, étant donné qu'il y a d'énormes inégalités, cela fait que moins de 30% des enfants puis peuvent survivre par rapport à un taux de survie de plus de 80% dans les pays aux forts revenus. L'initiative a été faite pour réduire cette brèche. En 2018, l'OMS a travaillé avec le Saint-Jude et a lancé l'initiative mondiale de la lutte contre le cancer chez les enfants pour donner un leadership et l'assistance technique au gouvernement afin d'aider à la durabilité d'un service de forte qualité dans les programmes de cancer des enfants. L'OPS a le plaisir d'introduire le programme correspondant pour les Amériques. Et ceci a avancé énormément pour la mise en œuvre du paquet de pour guérir les enfants qui sont frappés de cancer. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement de parler de statistiques, mais il s'agit de vous rappeler que les États membres doivent faire leur travail afin d'atteindre les meilleures pratiques pour la lutte contre le cancer des enfants et mettre l'accent sur l'équité. Nous pensons que tous les enfants devraient avoir accès à des services de première qualité et c'est ainsi qu'il y a une demande de la société et de notre part pour lutter en faveur de ça. Nous sommes maintenant
en train de fêter la troisième année de ce programme en disant qu'une meilleure santé est possible et qui rend hommage au travail qui a été fait pour essayer d'améliorer la vie des enfants, notamment ceux qui sont frappés de cancer. Merci et bienvenue à ce webinaire. Merci, Monsieur Hennis, de ces commentaires et de tout le travail de leadership que vous avez fait avec l'initiative de lutte contre le cancer des enfants. Nous avons eu un énorme soutien des leaders de l'OPS et le nouveau directeur, Monsieur Jerry Barbosa, a écrit un article d'édition dans ce nouveau magazine. Donc, merci, merci. Tout le travail que vous retrouvez dans ce numéro spécial du magazine serait impossible sans l'énorme concours de l'hôpital Saint-Jude, qui a une longue histoire de coopération dans notre région des Amériques afin d'améliorer la santé des enfants frappés de cancer. Nous allons maintenant vous présenter le leader de l'initiative mondiale du cancer des enfants, Monsieur Carlos Rodriguez Galindo, très connu de nous tous. Monsieur Rodriguez est le vice-président exécutif du département de médecine pédiatrique mondiale. Et il est aussi le directeur de la St. Jude Global Co-Director de Outreach et travaille également dans le centre de cancer du même centre. Merci, Sylvain. Merci, Hemis, de vos paroles et pour nous inviter de faire partie de cette magnifique journée aujourd'hui, puisqu'on se réunit tous ensemble pour réfléchir à tous les progrès accomplis, encore aussi les difficultés qui nous attendent. Je vais passer à l'espagnol, si cela ne vous gêne pas, dit l'orateur. Donc, merci à Sylvana, à Monsieur Hennis de vos paroles de bienvenue et de cette invitation. Merci aussi à toute l'équipe de l'OPS pour le travail tellement formidable qui a été accompli afin de nous regrouper ici à cette journée pour fêter la cinquième anniversaire de l'initiative mondiale sur le cancer mondial et ce supplément, donc ce nouveau magazine qui va changer la façon dont le cancer des enfants est perçu dans les Amériques et de la manière dont nous faisons face à ce défi, nous essayons de le relever. Merci à tous les représentants de l'OPS qui ont permis que cela soit possible dans les bureaux nationaux à Washington DC, chez vous, dans vos lieux de travail, en travaillant avec toutes les professionnels. Et merci également à tous les membres du gouvernement qui sont présents là et qui ont aidé pendant tant d'années pour que cela soit possible. Des gens des hôpitaux, des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des spécialistes de la nutrition, et tous ceux qui participent d'une façon ou d'une autre pour la lutte contre le cancer auprès des enfants. Les bureaux des patients, les parents et chacune de ces sociétés qui travaillent d'arrache-pied pour améliorer la situation des enfants. Merci d'être parmi nous et bienvenue à tous au nom de Saint-Jude. Je suis sûr que je représente l'ensemble du personnel de Saint-Jude et tous les amis de Saint-Jude dans cette journée. Quand nous nous réunissons pour fêter tout ce qui a été acquis et voir un petit peu tout le chemin à faire, c'est un honneur de pouvoir travailler ici et d'être invité à travailler avec les équipes de l'OPS, où qu'ils se trouvent dans les Amériques, avec les ministères de la Santé et tous les professionnels comme centre de collaboration du cancer chez les enfants pour l'OMS, l'OPS. Nous avons essayé d'aider à mettre en œuvre l'initiative mondiale dans tous les pays, dans tous les programmes, dans chacun des hôpitaux où nous travaillons, nous sommes implantés en travaillant avec vous, auprès des ministères et avec tous les professionnels de la santé, de telle sorte que pour moi, c'est une énorme joie que de pouvoir être parmi vous pour partager ces 2 heures qui nous attendent. Nous avons là l'occasion d'en savoir davantage au cours de ces 2 heures et je vous invite à écouter attentivement ce qui va être dit. Finalement, je remercie également Sylvana et l'équipe de PS pour avoir organisé le supplément spécial sur le cancer des enfants. Comme nous le disions, il y aura un avant et un après. Pour mettre l'accent sur l'importance de résoudre et de guérir le problème du cancer des enfants.
Donc, voilà, nous avons une réunion très intéressante devant nous et nous poursuivons notre communication un peu plus tard. Merci. Merci, Monsieur Rodriguez Galindo, de ton leadership. Tu es vraiment un champion et un partenaire important pour nous tous afin d'améliorer la guérison des enfants frappés de cancer. Merci et nous vous invitons tous parce que Monsieur Rodriguez Galindo a également rédigé un article dans ce supplément. Donc, nous vous invitons tous à le lire. Le magazine panaméricain de la santé est une source de fierté pour nous. C'est la publication la plus importante dans le domaine scientifique technique de l'OPS qui diffuse des informations scientifiques depuis plus de 100 ans maintenant. Vous voyez donc que nous avons l'éditeur en chef, Damien Vasquez, qui va nous faire un petit tour d'horizon de l'information que vous retrouvez dans la revue. Merci, bonjour, merci, Sylvana, et merci d'être là. Dans ces quelques minutes qui m'ont été imparties, je voudrais vous faire part de quatre perspectives qui sont en rapport, mais qui sont différentes. Quand on parle, on dit à quelqu'un qu'il a un cancer, cette personne-là devient automatiquement un patient, un malade. Et il ou elle sait qu'il a quelque chose dont il doit s'occuper et aussi dont il doit se préoccuper. Un instant, s'il vous plaît, que je n'arrive pas à faire dérouler ma diapo. Je vais arrêter, je vais repartager mon écran. Merci. Je vous disais que quand on dit à quelqu'un qu'il a un cancer, cette personne sait qu'elle a quelque chose dont elle doit s'occuper, se préoccuper. Mais quand on parle de cancer des enfants, nous parlons d'une préoccupation et de tâches qui sont valables pour toute une famille, et sans parler des enfants en bas âge qui ne savent même pas ce qui se passe. Ceci dit, il y a également une perspective en tant que médecin, et c'est qu'on a l'habitude et on a été formé pour réconforter, mais aussi pour appuyer, pour soutenir et pour donner des résultats et être efficace avec ce problème. Et la bonne nouvelle, c'est que le cancer chez les enfants a amélioré le taux de survie, le temps d'amélioration, taux d'amélioration. Toutefois, si on regarde de loin, depuis l'optique de la santé publique, on sait qu'il y a également des brèches et que les taux de survie sont beaucoup plus faibles dans les pays aux faibles revenus comparés aux pays aux revenus élevés. Et c'est là que l'on retrouve une dernière perspective qui est celle d'un éditeur scientifique. C'est là l'importance du numéro spécial qui nous intéresse. Quand on a une étude, cette étude peut rester dans un domaine local sans qu'il y ait beaucoup de gens qui en connaissent les résultats. Mais quand il est publié, eh bien, cela donne lieu à toute une action dans le domaine de la santé qui, à son tour, constitue un cercle vertueux. Le monde académique peuvent ainsi améliorer leur pratique, les médecins aussi, les décideurs aussi qui peuvent prendre des décisions différentes. Et finalement, le grand public peut également prendre conscience de façon plus vaste sur un problème concret. Ceci dit, il ne me reste plus qu'à vous inviter à rentrer sur le site web du magazine qui vient de fêter 100 ans de vie. Et si vous déroulez ça vers le bas, vers la page d'accueil, vous verrez une section consacrée aux numéros spéciaux et là, vous verrez cette image avec cette petite description et les liens avec 15 articles. Il y en aura d'autres sous peu dès qu'ils seront prêts. Finalement, j'aimerais également vous dire quelque chose qui est invisible, mais qui est très important, c'est que la publication est un travail qui se fait en équipe. Et j'ai eu l'intérêt de voir combien de personnes partagent en moyenne un article. Et j'ai trouvé 24.
Donc, si on parle de 15 articles, on parle de plus de 300 personnes à qui il faudrait ajouter les donateurs, les bailleurs de fonds, ceux qui ont travaillé derrière les coulisses et d'autres organisations comme St. Jude qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ce supplément devienne une réalité. Et à toutes ces personnes et à tous ceux qui sont connectés en ce moment, je tiens à vous dire merci. Et je rends la parole au présentateur suivant. Merci Sylvain. Merci Damien. Merci à toute l'équipe de l'effort qui a été déployé pour voir ce supplément avec 15 articles, alors qu'on sait qu'il y en aura encore 4 ou 5 qui sont en cours de route et qui sont en train d'être en révision de pair. Nous vous invitons à visiter le site web et à retrouver ce numéro spécial. Merci Damien. Tout le travail qui vous a été montré dans l'article et dans le magazine serait impossible sans la collaboration et l'énorme réseau de professionnels qui travaillent d'arrache-pied depuis 5 ans dans Cure All et cette dernière année pour préparer les articles et aussi pour reconnaître et remercier les contributions de tout le monde. J'invite Monsieur Mauricio Massa, conseiller en prévention et contrôle du cancer, ici à l'OPS. Mauricio, tu as la parole. Merci, Sylvana, de nous guider dans cette journée qui nous permet de fêter cette diffusion et de voir toutes les expériences magnifiques que nous connaissons de la région. Pour moi, c'est un honneur vraiment de faire partie d'une chose aussi importante qui nous regroupe aujourd'hui, qui est le lancement spécial de ce supplément du magazine de l'OPS sur le cancer des enfants. Ce travail et le résultat de beaucoup d'acteurs qui luttent contre le cancer des enfants en Amérique latine et aux Caraïbes. Le supplément spécial que nous présentons montre bien le travail fait par les acteurs, les équipes de santé, la société civile, etc., avec l'aide et le concours de l'Organisation mondiale de la santé par le biais des bureaux régionaux et de l'OPS, l'hôpital Saint-Jude, l'hôpital de recherche dans le cadre de l'initiative mondiale contre le cancer des enfants qui a été lancée en 2018. Pour fêter ces 5 années, nous devons fêter également les progrès accomplis. Mais il y a du pain sur la planche pour garantir la mise en œuvre pleine du cadre Cure All de l'OMS. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous différents articles. Aujourd'hui, nous avons la présentation de ces articles qui complètent cet article spécial et nous espérons qu'il y en aura beaucoup plus. Mais avant de commencer, je tiens à remercier beaucoup de collaborateurs et je vais essayer de n'en passer aucun. Mais pour que vous sachiez que ces initiatives font appel à beaucoup de personnes. Nous avons l'Organisation des Nations Unies, par exemple la IEI, AIAC, qui aujourd'hui, quand nous faisons les missions Impact, dans leurs évaluations, elles comprennent une partie de cancer des enfants. Nous avons SickKids Caribbean Initiative, le cancer des enfants en Amérique latine et Caraïbes. Et nous avons la collaboration qui vient avec des documents extraordinaires. Les différents mécanismes d'intégration sous-régionale comme ORAS, KONU, KOMINSKA, KARFA, les sociétés telles que la Société latino-américaine d'oncologie pédiatrique, SLAO, la Société internationale, COP, enfin, j'en passe, des associations de pédiatrie, comme nous l'avons dit, St. Jude, évidemment, qui est un centre de collaboration du cancer des enfants pour l'Organisation mondiale de la santé et qui compte différentes équipes qui travaillent depuis des années dans l'ensemble de la région en accordant leur soutien aux pays donc, qui en ont le plus besoin. Je tiens à remercier également les équipes
de notre région qui travaillent d'arrache-pied dans les bureaux sous-régionaux de Caraïbes, d'Amérique latine, d'Amérique centrale, tous les bureaux des pays, l'équipe du cancer de l'OMS qui travaille également aussi avec nous pour nous assurer que nous ayons la même vision au plan mondial. Les équipes de travail qui ont été nommées par les ministères de la Santé et qui sont les points focaux pour travailler dans cette initiative de Cure All et les organisations de la société civile qui ont toujours apporté leur concours à ce travail qui est tellement important. Et finalement, je tiens à remercier également les équipes de santé qui font le travail direct pour gérer le malade, c'est-à-dire les enfants de nos pays, et qui représentent beaucoup de travail et beaucoup de sacrifices afin d'aider les petits patients et leurs familles à s'en sortir. Comme je vous le disais, il s'agit là d'une liste interminable de personnes, et j'espère n'avoir laissé personne pour compte, sur ni une personne ni une institution. En fait, il s'agit d'un témoignage de ce que l'on peut faire quand beaucoup de personnes se mettent d'accord pour travailler sur un objectif commun qui consiste à améliorer la santé des enfants de la région. Ensemble, nous sommes en train de transformer l'attention oncologique en Amérique latine et les Caraïbes. Nous sommes engagés à poursuivre notre travail avec plus d'équité dans la santé. Je dis toujours à toute l'équipe de travail que nous aimerions que les autres domaines de cancer puissent travailler comme le font les associations des sociétés civiles pour accorder leur soutien au cancer des enfants. Nous avons besoin de cette union intersectorielle, institutionnelle, interagence pour finalement avoir la portée que nous escomptons pour toutes les personnes qui subissent cette terrible maladie dans notre région et dans le monde entier. Merci. Et je tiens simplement à remercier tous ceux qui font que ce travail soit possible. Merci. Merci, Monsieur Massa, conseiller régional pour le cancer de l'OPS. Il s'agit là d'un travail extraordinaire avec plus de 200 personnes qui participent non seulement du travail, mais dans la doc et la préparation de tous les articles de ce supplément du magazine. Donc, je rejoins ceux qui ont remercié tous ces gens-là. Nous devrions vraiment être très fiers de tout le travail qui a été fait au cours de ces 5 années et des résultats accomplis que l'on retrouve dans ces articles. Mais peut-être il y a une personne dont nous devrions être encore plus fiers, c'est la mère de Cure All, la personne qui a aidé à créer cette initiative mondiale de Cure All que nous avons adoptée pour toute la région. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir parmi nous Madame Catherine Lam, directrice de la région Asie-Pacifique de St. Jude Global, mais aussi la directrice de l'unité des systèmes de la santé et co-directrice du centre collaboratoire de l'OMS pour le cancer de l'enfant de l'hôpital de St. Jude. Et elle va nous parler de l'article qu'elle a rédigé et sur comment renforcer les systèmes de santé grâce à un effort de collaboration régionale. Merci. Sylvana, et à toute l'équipe du privilège que j'ai d'être ici parmi vous et de fêter ce 5e anniversaire et l'anniversaire de St. Jude au centre de collaboration depuis mars 2018. C'est l'une des choses que nous avons pu faire, de travailler ensemble pour mettre en œuvre l'initiative mondiale pour la lutte contre le cancer des enfants et comment nous pouvons accorder la priorité au renforcement des systèmes de santé. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il s'agit là beaucoup de parties prenantes qui ont participé énormément à ce travail. C'est un travail ensemble. Ici, on sait que nous sommes très intéressés à cela car le cancer est la cause principale, ou l'une des principales causes de mort et de morbidité. En ce moment, 10 000 enfants vont mourir de cette maladie. Donc, St. Jude s'est engagé comme partenaire de l'OMS pour s'occuper de ce problème
et de faire les recherches pertinentes pour voir un petit peu cette histoire, examiner le cancer des enfants et voir comment on peut procéder. Nous voyons que ce système est important, quelque chose que nous avons développé au cours des 5 ou 7 dernières années pour parler de systèmes qui sont remis aux patients et bien sûr le financement et la gouvernance et bien sûr l'importance du soutien des enfants et de l'engagement des communautés fondées sur les enfants et les populations d'enfants qui ont le cancer et voir un petit peu ceci de façon plus globale. Là, des outils que nous avons utilisés s'appellent C5. Il y a 5 C en anglais, donc collaboration des pays pour le contrôle du cancer des enfants, qui est un outil pour définir et mettre fixer la priorité de ce qui se fait au sein des ministères et de mettre en œuvre l'initiative mondiale de lutte contre le cancer des enfants. Nous avons parlé des modules et là, vous voyez les 2 premiers modules, C2 et C3. Nous voyons ensuite les institutions de cartographie qui s'occupent de faire et de voir un petit peu les fortitudes, les faiblesses. Et ensuite, nous voyons les modules C4 et C5 et nous pouvons voir comment nous pouvons accorder la priorité à l'action pour les valeurs locales, la volonté politique et les ressources. Cet article n'est que le début d'un travail qui est fait pour résumer tout le travail qui a été fait grâce aux équipes formidables qui travaillent sous la houlette de l'OPS et voir un petit peu comment on peut faire profiter ces recherches à toutes les populations de la région. Donc, il s'agit vraiment d'une planification de contrôle importante et qui permet d'identifier les facteurs de réussite pour arriver justement à la mise en œuvre de tous ces acteurs tellement importants. Mais tous les acteurs dans le domaine des finances, les bailleurs de fonds, ceux qui travaillent dans les enregistrements, les systèmes d'information et plus vastement qui travaillent dans le service des enfants et des maladies infectieuses non transmissibles, etc. Et qui ont toutes une idée assez flexible et un travail conjoint avec les parties prenantes les plus importantes, ce qui nous a mené à comprendre comment nous pouvons améliorer les politiques et comment renforcer les capacités également, parce que ce n'est pas simplement un bout de papier sur une étagère, mais il s'agit d'un travail profond que l'on doit mettre en application et qu'il est bon de voir que cela sera traduit par des actions pour le mouvement, pour les enfants, leurs familles, et ce n'est pas un projet en silo, mais un projet beaucoup plus vaste, énorme, qui sert pour nous. Donc, nous espérons vraiment que la prochaine diapo. Tout ceci continue de grandir dans les Amériques grâce à tous ceux et celles qui sont dans cet événement aujourd'hui. Et j'espère qu'on continue à partager plus de vos leçons apprises et de vos réussites, comme on va sauver beaucoup plus d'enfants qui ont le cancer avec toutes nos mains sur ce projet. Merci beaucoup, docteur Lam. Et pour renforcer les systèmes de santé, c'est vraiment très critique pour améliorer les résultats de guérison pour les enfants qui ont le cancer. Et plus important, vous et tous les autres qui ont mis en place cet merveilleux outil. Et j'ai lu votre article, il est excellent. Merci beaucoup de votre participation. Et donc, maintenant, nous passons à une perspective mondiale et nous regardons le progrès et les défis de la prise en charge des patients qui ont le cancer. Et on va écouter Roberta Ortiz de l'Initiative mondiale pour le cancer chez l'enfant et de Genève, Suisse. Merci beaucoup, Sylvana. Je vais parler en espagnol puisque j'ai l'occasion de le faire. Et bonjour, bon après-midi à tous et toutes. C'est une grande fierté pour moi, une grande satisfaction. Et je veux remercier les organisateurs et mes collègues de la société régionale de me donner
l'occasion de fêter avec vous ces grandes réussites que nous avons eues dans notre région. Et je veux partager aussi l'expérience d'autres excellentes équipes qui, dans les 5 autres régions du monde, font de grandes avancées pour que le cancer chez l'enfant soit une priorité dans les politiques nationales de santé et que tous les enfants qui ont le cancer, indépendamment d'où ils sont nés, qu'ils aient accès à une prise en charge de qualité. Et comme on a déjà exprimé préalablement par Mauricio, Carlos, la brèche persistante qui existe avec le cancer chez l'enfant représente une des plus grandes inégalités dans notre société. Et le cancer chez l'enfant est une priorité de santé publique parce que ces 400 000 enfants qui sont diagnostiqués dans le monde, 80% sont dans des pays à faibles ressources. Et donc, ce n'est pas tous les enfants qui ont l'accès à une prise en charge de qualité ou même à des ressources. Donc, c'est une prémisse qui a encourager cette initiative mondiale il y a 5 ans avec la collaboration de l'OMS et de nos partenaires de Saint Jude Hospital. Et c'est pour cela que nous fêtons aujourd'hui nos réalisations, pour que les pays puissent avancer dans cette lutte contre le cancer chez l'enfant et qu'ils puissent proposer des services de qualité pour qu'on puisse réussir à augmenter la survie au niveau mondial en 60%. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, cette initiative est directement le résultat du mandat qui a été proposé par la résolution 70-12 de prévention et contrôle de cancer dans le contexte d'un focus intégré. Grâce à l'initiative, on a eu des avancées significatives pour ce mandat, particulièrement en ce qui concerne le paragraphe numéro 1, qui demande à l'OMS de donner des orientations et des outils et de stratifier pour établir et exécuter des programmes intégraux de prévention du cancer, surtout dans la gestion de programmes pour les enfants et les adolescents. Et aussi, avec le travail d'autres organisations et nous sommes très heureux de travailler la main dans la main avec tous les partenaires. Et aussi la création de nouvelles lois comme les animateurs du projet Cure All nous a aidés à proposer cette couverture universelle dans la santé. Et avec le développement de nouvelles lois qui ont été établies tout au long des 6 régions. Et vous en avez un exemple fondamental qui est résumé dans plusieurs articles qui font partie de ce bulletin spécial et les efforts de la sous-région de l'Amérique centrale qui est très fière de faire partie de cette sous-région et aussi au niveau d'autres pays en Afrique. Dans le sud-est asiatique et dans la région Pacifique. Donc, ceci a aidé à faire en sorte que les enfants aient l'accès à une prise en charge de qualité, mais aussi pour réduire la toxicité financière des parents de ces enfants qui sont diagnostiqués et qui n'ont pas d'accès à la gratuité de la prise en charge. Et on a démontré dans ce supplément comment on a fait une augmentation très importante dans l'inclusion du cancer chez l'enfant dans les plans nationaux de cancer dans la région. Il n'y a que 8 plans nationaux qui incluaient le cancer chez l'enfant jusqu'en 2017. Et maintenant, 13 pays ont incorporé une composante de cancer chez l'enfant dans leur politique nationale. Et comme le disait Mauricio, avec la collaboration de nos partenaires des autres agences de l'ONU, AEOEA, nous avançons dans la région de l'Afrique où actuellement 4 pays ont inclus le cancer chez l'enfant au sein de leur plan
et on fait des exercices de plans nationaux qui sont informés avec la priorisation et la prise en charge de ces plans. Et dans le mois de novembre, il y aura une mission en Éthiopie. L'Éthiopie intègre le cancer chez l'enfant comme une composante de sa politique nationale de santé. Merci. L'amélioration du contrôle du cancer fait partie du financement de tous les services de santé. Et pour pouvoir avoir la couverture universelle en santé, les programmes de cancer doivent augmenter avec des ressources croissantes. Le cancer chez l'enfant, comme je le disais, a été priorisé au niveau national, régional et aussi au niveau mondial dans les efforts et les politiques de santé. Et ici, je vous montre l'exemple que l'année dernière, pour la première fois, on a intégré le cancer chez l'enfant au sein du menu d'options de coûts effectifs qui font partie de l'appendice 3 du plan d'action mondial pour le contrôle et prévention des maladies non transmissibles 23. Et aussi, le cancer chez l'enfant a démontré qu'avec des petits investissements stratégiques, on peut sauver et améliorer la santé des enfants qui ont le cancer en démontrant que pour chaque dollar investi, on a 3 dollars de retour d'investissement. Et on a fait en sorte qu'on puisse assurer la continuité des services des enfants avec le cancer, même si les systèmes de santé qui sont affaiblis par des désastres naturels ou la guerre, comme l'exemple de l'Ukraine et l'exemple du Sri Lanka, et actuellement avec tous les efforts que nous faisons dans les territoires occupés de Gaza et de la Palestine. Et ceci a été fait grâce aux réseaux mondiaux qui se sont renforcés à cause du Cure All pour que les services continuent à opérer et donner des soins aux enfants grâce à la solidarité des organisateurs de la société civile et des chercheurs. Et pour conclure ma présentation et résumer, on a eu beaucoup de progrès en plus de 70 pays autour du monde qui actuellement ont mis en place le projet Cure All de l'initiative contre le cancer chez l'enfant. Et grâce à la collaboration entre l'OMS et les partenaires mondiaux, y compris St. Jude Hospital, les patients reçoivent le soutien technique et financier et les gouvernements évaluent leur capacité en établissant des priorités, en faisant des investissements et en faisant des standards et des normes de traitement pour une prise en charge de qualité à tous les enfants qui ont le cancer et et pour que cette brèche qui est liée à l'endroit où l'enfant est né soit éliminée. Et aussi la performance de ces programmes et que chaque fois plus d'enfants et adolescents aient accès à une prise en charge de qualité. Nous avons quelques exemples ici très rapidement de meilleures pratiques dans la région du sud-est de l'Asie, comme la mise en place d'un modèle d'attention partagée, une stratégie développée pour réduire l'abandon et rendant plus facile l'accès plus proche des foyers. Cet exemple a été très efficace au Népal et à Myanmar et qui maintenant s'étend à deux autres pays dans le sud-est de l'Asie. Et nous savons également que dans les Amériques, il y a beaucoup d'efforts pour standardiser l'attention pour les enfants dans les centres d'assistance. Et il y a beaucoup d'efforts qui sont menés et avec le soutien et la collaboration et l'appui technique de Saint Jude avec la plateforme Aria dans les pays de l'Afrique et aussi de la Méditerranée. Et merci encore une fois de me permettre de faire partie de cette grande célébration. Et je suis très fière de pouvoir appuyer les différentes équipes autour du monde. Merci beaucoup. Merci à vous, Dr. Ortiz de l'OMS, de l'Initiative mondiale du cancer chez l'enfant. Et l'OMS a un rôle très, très important
pour changer les politiques et les plans nationaux pour favoriser les changements dans les services de santé et améliorer la prise en charge pour les enfants qui ont le cancer et la mise en place du projet Cure-All. Ce sont des avancées très importantes et merci de tout le soutien que nous recevons dans notre région de l'OMS en Genève. Merci beaucoup. Nous passons maintenant au thème suivant. Et comme nous le savons, les données sont critiques, et non seulement pour le poids de la maladie et pour savoir quel est l'impact de notre intervention. Donc, nous travaillons avec l'Agence internationale pour la recherche du cancer mondialement et dans notre région. Et pour présenter sur l'incidence du cancer chez l'enfant en Amérique latine et dans les Caraïbes, et pour voir les tendances, on a le docteur Eva Stelyarova-Fouché qui va présenter l'étude qu'elle a conduite. Vous avez la parole, docteur Fouché. Merci beaucoup. J'espère que vous pouvez voir les diapos que je présente. Très bien. Donc, merci beaucoup de cette occasion. C'est un vrai privilège de parler dans ce forum et de présenter les résultats de notre travail au nom de plusieurs collaborateurs et co-auteurs. Donc, je vais les présenter tout au long de ma présentation. J'ai mis le logo sur ma diapo pour montrer que nous faisons partie aussi de l'Organisation mondiale de la santé et depuis plusieurs années, nous travaillons autour du monde pour collecter les données aussi sur le cancer chez l'enfant. Comme vous le savez, ce travail est mené dans le contexte de l'Initiative mondiale pour le cancer chez l'enfant, qui souligne le rôle important des données pour contrôler le cancer et spécifiquement le cancer chez l'enfant. Et ceci est aussi souligné dans la publication récente par le Centre de cancer et la Commission spéciale sur le cancer chez l'enfant. Nous avons commencé ce travail il y a plusieurs années déjà dans le cadre de l'incidence mondiale du projet avec les éditeurs qui se trouvent sur cette photo et qui ont passé beaucoup de temps en train de s'assurer que les données que nous avons collectées soient comparables et que les données que nous présentons soient significatives pour les différentes parties prenantes dans le monde. Voilà, c'est le troisième volume de l'incidence de cancer chez l'enfant. Et sur la base de ces données, nous avons sélectionné des informations sur l'Amérique latine, les pays de l'Amérique latine, qui ont contribué à ce troisième volume et qui décrivent les tendances de cancer dans cette région qui ont 600 millions d'habitants et qui ont beaucoup de caractéristiques très précises et très uniques et un contexte très particulier dans chaque pays. Nous pouvons voir ici que la couverture par registre de cancer est relativement inadéquate parce que ceci signifie moins de 20% pour une population qui est plus jeune, qui a moins de 15 ans et entre 15 et 19 ans. Et donc à cause des registres pédiatriques qui couvrent les pays d'Argentine et du Chili, la couverture est un peu plus grande pour la population jusqu'à 15 ans, âgés de jusqu'à 15 ans. Donc, c'est une région de beaucoup de contrastes et qui a un grand potentiel pour le développement du registre de cancer. Ici, nous pouvons voir les contributions de façon générale, presque 37 000 cas qui sont venus de 276 millions de personnes
par an pendant 2 décennies, et parce que le registre ne couvre pas la même période, ils ont dû sélectionner les registres qui ont contribué à 3 différents types d'analyses. Donc, pour la décennie de 2000 à 2010, on a utilisé les différentes bases de données pour la population pédiatrique et pour la population qui représente les enfants jusqu'à l'âge de 20 ans. Et ensuite, nous avons utilisé aussi des données pour 20 ans pour examiner les tendances d'incidence. Comme vous pouvez le voir, les taux généraux étaient de 130 pour les enfants et 150 pour les adolescents. Et nous avons vu une petite augmentation de 1% environ par an dans la région. Ici, nous pouvons voir la distribution des différents types de tumeurs. La leucémie est la plus commune, et si séparée par âge, et si le neuroblastome et rétinoblastome qui sont très communs chez les enfants en bas âge. On a aussi comparé les données pour l'Amérique latine avec les taux qui ont été observés soit en Amérique du Nord ou dans le monde. Ici, vous pouvez voir les comparaisons. L'Amérique latine en rouge. Nous pouvons voir qu'il y a eu des types de cancers plus communs en Amérique latine que dans d'autres pays du monde. Et les lymphomes et des tumeurs spécifiques. Et nous avons vu également que des groupes de tumeurs ont été moins communs en Amérique latine, par exemple les tumeurs CANS, le neuroblastome, etc. Ce sont les tumeurs qui étaient significativement différentes. On a vu que la leucémie est intermédiaire entre les taux observés en Amérique du Nord et dans le monde. Donc, ce que nous pensons que le taux plus important de lymphome lié aux agents d'infection comme le virus Epstein-Barr ou le virus de l'herpès ou d'autres virus qui sont endémiques dans la région. Et les taux plus faibles qui sont dus à des difficulté de faire le diagnostic ou le registre. Mais il peut y avoir d'autres facteurs également. Tout ceci doit être examiné dans les études postérieures. Comme nous l'avons mentionné, il y a eu un changement dans l'incidence du cancer qui augmente au cours du temps en Amérique latine. Ceci est montré sur ce graphique, cette courbe. Ça augmente dans des échelles différentes en Amérique du Sud par rapport à l'Amérique du centrale et les Caraïbes. Il y a eu une augmentation sur tout le continent. Et ici, nous pouvons voir le taux de croissance 1% et en Amérique du Sud et Amérique centrale et les sous-régions pour les deux sexes. Et pour les différents types de tumeurs, ici, nous avons mis les croissances qui ont été les plus importantes. Comme vous pouvez le voir, il y a une augmentation de tumeurs du foie, les carcinomes, et il y a eu des différences entre les sous-régions pour d'autres tumeurs et des tumeurs non spécifiées qui ont eu une augmentation très importante en Amérique centrale et dans les Caraïbes et une réduction importante en Amérique du Sud. Donc, en conclusion, c'est très rapide pour vous montrer tous les résultats, mais nous pouvons conclure que la couverture de l'Amérique latine de la population est vraiment inadéquate. Mais nous avons observé aussi et nous avons souligné l'existence de
deux registres nationaux de cancer chez l'enfant. Les taux d'incidence sont relativement comparables, comme on l'a observé dans d'autres parties du monde, et il y a une petite augmentation au cours du temps, et on va probablement continuer à voir ces changements de l'échelle en Amérique du Nord. Et ceci va la main dans la main avec le développement socio-économique de la région. Donc, pour améliorer le registre du cancer, il est très bien d'utiliser le momentum de l'ISCC de cette initiative, comme on l'a démontré, que les pays sont vraiment en train de s'engager dans ce programme et de rejoindre cette initiative. Et j'aimerais dire aussi que nous sommes en train d'aider les pays dans cette collaboration avec Saint-Jude, que nous appelons Child DICR, pour le registre de cancer chez l'enfant. Ce sont les photos donc de mes co-auteurs pour cette étude et tous ceux qui sont représentés sur la carte que vous voyez au fond. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, docteur Celia Rova. C'est une analyse très intéressante et pour tous les épidémiologues qui sont connectés, je suis sûre que vous aimeriez voir plus de données de cette étude et je peux voir les commentaires du public il y a plus de 10 ans de ces données et ceci fait l'écho de ce que nous disons. Il faut investir plus sur le registre de cancer chez l'enfant et comme une partie de l'initiative du cancer chez les enfants. Et donc, il faut investir pour avoir ces données très importantes. Et merci encore une fois. Nous continuons avec notre programme et je veux souligner l'excellent travail que nous menons ici dans cette initiative Cure All dans les Amériques avec nos partenaires chez Saint-Jude et nos collègues dans les organisations de la société civile et les ministères de la Santé. Nous avons le plaisir d'avoir notre invitée Liliana Vasquez, qui est consultante internationale pour l'Initiative mondiale pour le cancer chez l'enfant. Et elle fera la présentation conjointement avec notre collègue Patricia Loghetto, qui est coordinatrice du projet pour le programme de l'Amérique du Sud et de l'Amérique centrale. Patricia et Liliana, vous avez la parole. Merci beaucoup, Sylvana, de la présentation et merci à tous ceux et celles qui sont présentes ici. Pour nous, c'est une grande émotion d'avoir l'occasion de voir ce que nous avons réussi ensemble pendant ces 5 dernières années et les 3 dernières années surtout, comme en montrant que le cancer chez l'enfant est un problème de santé publique et de pouvoir unifier ce message de toutes les autorités, les ministères de la Santé et toutes les équipes de la santé et la société civile et de pouvoir transmettre ce message. Donc, c'est ce que nous voulons présenter avec Patricia aujourd'hui. Tout d'abord, un résumé de ce qu'est un rapport spécial, de ce supplément spécial de cancer chez l'enfant du magazine de santé publique de l'OPS pour montrer les avancées de ces dernières années et le code QR, si vous avez l'occasion de lire et de télécharger ce rapport. L'idée, c'est de travailler avec les pays, avec les gouvernements, avec tous et toutes pour pouvoir avoir des indicateurs d'impact. Nous savons que l'objectif de l'Initiative mondiale contre le cancer chez l'enfant, c'est d'arriver à 100% jusqu'en 2030. Mais ce que nous voulons réussir, c'est beaucoup plus. Travailler de façon articulée pour pouvoir avoir des résultats où au moins 80% des pays de la région des Amériques puissent compter avec des plans, des lois, des politiques de santé qui incluent le cancer pédiatrique de manière opérative pour pouvoir avoir 80% des pays avec la mise en place des programmes et des projets d'intervention de Cure All et ainsi établir des systèmes de santé
comme mes collègues l'ont dit, et travailler pour que ce soit des activités durables au cours du temps et pour pouvoir des ressources nationales qui abordent ces problèmes qui sont très communs à tous nos pays. Le diagnostic, l'abandon du traitement, la mortalité toxique parmi d'autres. Donc nous avons parlé un petit peu. Le premier point que nous voulons aborder, c'est le thème des politiques de santé. Comme nous le savons, c'est très important de pouvoir promouvoir les politiques, les plans, les lois qui assurent la couverture universelle de santé pour la protection sociale, pour les familles, pour les enfants et les adolescents, qui puissent promouvoir l'investissement et qui puissent préserver ces investissements et qui puissent améliorer la prise en charge des enfants et des adolescents qui ont le cancer. Comme nous l'avons dit, il y a eu une augmentation de plus du double des pays depuis l'année 2017, jusqu'à 13 pays qui actuellement ont une loi ou un plan national de lutte contre le cancer et une politique de santé. Et mentionner des exemples très importants pour nous. Le grand travail qui est mené avec nos politiques de santé approuvées spécifiquement dans le programme du cancer infantile de Chili, de République dominicaine, El Salvador, Panama, ces lois qui sont mises en place dans des pays comme le Pérou, l'Argentine, le Brésil, la Colombie et également des pays qui avancent beaucoup dans le développement d'un plan d'action, de propositions pour pouvoir travailler avec le cancer chez l'enfant. La Bolivie, le Honduras, l'Équateur, Venezuela, Colombie, Costa Rica, Haïti, Mexico et Suriname, avec un travail, je pense qu'il faut un travail merveilleux de promouvoir ces activités, surtout si elles sont durables au cours du temps. Suivant, et les indicateurs numéro 2, cette carte qui a la couleur rouge, verte et jaune et qui montre quels sont les projets de Cure All America et comment les dernières années on a élargi ce travail tellement articulé de tous et toutes les collègues, les équipes des centres de santé et toutes les équipes et de la société scientifique. Et on a mis les projets actifs qui sont ceux qui sont en jaune. Et bon, on ne voit pas la palette de couleurs. Nous voulons que toute la carte soit dorée, que ce soit un travail avec beaucoup de collaboration, d'efforts de tous les acteurs, toutes les parties prenantes. Parce que ce n'est pas simplement la politique de santé, mais aussi l'indicateur sanitaire que nous voulons montrer et que nous voulons atteindre avec moins de temps de diagnostic, un meilleur taux de survie et renforcer les systèmes de santé. Chaque point est un travail énorme, un déploiement énorme de beaucoup d'équipes ensemble qui accordent la priorité au cancer des enfants et qui ont gagné leur place. Ce sont 18 pays qui font partie de ce réseau de Cure All Amérique. Ce sont 28 projets nationaux, y compris le projet régional des médicaments, dont l'Équateur est le pays pilote pour ce projet très important pour l'accès aux médicaments du cancer des enfants, les projets de la survie du cancer des enfants et également une partie de la région andine. Et finalement, une dernière diapo pour montrer qu'on met l'accent, qui accorde une priorité en fonction des projets qui viennent renforcer les centres d'excellence et la gouvernance des pays. Et avec ceci, je redonne la parole à Patricia. Merci, et Liliana, et merci à tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Je tiens à vous apporter un peu plus de renseignements sur notre troisième. Comme l'a dit Liliana, il s'agit des ressources pour développer par certains et quelques-unes des spécificités de notre région. Nous voyons qu'il y a plusieurs projets actifs dans la diapositive précédente, plus de 100 professionnels qui ont été
formés aux ressources virtuelles. Nous avons 13 ressources régionales qui ont déjà été publiées, qui sont disponibles. Et là, vous pouvez accéder à la partie de Cure-All des Amériques où vous avez accès à ces ressources, aux nouveautés et autres informations sur la mise en œuvre de l'initiative dans notre région. Et aussi, très important, nous avons 17 publications scientifiques, que ce soit des articles, des abstracts, des présentations qui nous permettent de mieux diffuser l'expérience et les résultats de notre travail. Ici, nous voulons vous parler de chiffres. Qu'est-ce que cela veut dire? Comme a été dit au Brésil, il y a un certain nombre de pays qui ont un plan, qui comprend un plan, mais il y a aussi qui a plus que doublé depuis 2017. Mais nous voyons également que ces changements sont à vérifier dans d'autres domaines. Par exemple, les pays qui ont une plus grande un guide pour un diagnostic précoce, pour d'autres possibilités de contrôler le traitement et aussi ce que nous avons vu avec la présentation de Madame Eva, les pays qui ont une augmentation de 11 à 15 pays, ceux qui ont un enregistrement de cancer des enfants. Et nous espérons que ces chiffres vont continuer d'augmenter et nous aurons chaque fois plus de précision dans les données. De même, nous avons fait une étude, et là je tiens à remercier également tous les participants qui nous ont aidés pour savoir quelles sont les barrières et les éléments qui nous aident à mettre en œuvre l'initiative dans notre région. Nous savons qu'il y a des différences et que les réalités des pays sont différentes, mais il est bon d'avoir une vue d'ensemble de ces facteurs. Dans cet article, vous pouvez voir cette information avec plus de détails. Vous voyez qu'il y a 17 barrières et 14 facilitateurs qui sont divisés en trois grands axes, que ce soit le contexte national, l'assistance technique et les organisations et les acteurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce que je voulais vous dire, que certains points importants qui ont été mentionnés étaient l'importance d'avoir non seulement un budget pour la mise en œuvre de l'initiative, mais aussi un coordonnateur qui s'occupe de faire le travail d'un facilitateur pour que ces initiatives soient couronnées de succès. Et l'un des éléments importants est l'importance d'avoir un espace pour partager et échanger les expériences entre pays. On a vu que l'on apprend énormément les uns des autres et que c'est là l'un des points qui m'ont le plus frappé. Je vous invite donc à lire l'article et à en savoir davantage sur les autres facilitateurs et les barrières. Et je remercie énormément l'invitation qui m'a été faite d'être parmi vous aujourd'hui. Et Sylvana, je te redonne la parole. Merci Patricia, merci. Excellent résumé de tout le travail accompli dans la région avec Cure All Americas. C'est très important. Et c'est un grand succès dans la mise en œuvre. Nous espérons atteindre une carte complètement remplie de tous les progrès accomplis. Cette analyse des barrières et des facilitateurs me semble également très utile pour savoir un peu plus au plan des pays ou des niveaux sociaux locaux, quelles sont ces barrières et comment on peut améliorer les services et les systèmes. Voilà, si vous voulez, la valeur ajoutée de cette initiative pour la lutte contre le cancer des enfants, c'est-à-dire de les mettre en rapport et de les mettre au travail. Et dans ce magazine, nous avons l'expérience de 4 pays, Pérou, Panama, Salvador et le Chili, qui viennent nous montrer comment eux s'en sont occupés, comment ils ont mis en œuvre cette initiative, quels sont les défis à relever. Et nous allons entendre les principaux à hauteur de chacune de ces expériences. Quels ont été les principaux défis et les acquis pour la mise en œuvre de cette initiative pour la lutte contre le cancer des enfants dans ces pays? Nous commençons par le Pérou, avec Madame Madame
qui va nous décrire la situation au Pérou et comment c'est Essi Maradiegue de la situation des maladies néoplastiques au Pérou. Merci, dit Essi. Et je vous salue depuis le Pérou. Je vais commencer par vous présenter les acquis. Sans doute le plus important pour nous a été l'énorme occasion de pouvoir travailler en équipe. Au Pérou, on a établi un cadre de travail avec l'engagement du ministère de la Santé fondé sur les quatre piliers d'action et les trois facilitateurs que nous connaissons sous le nom de Cure All. Nous avons une loi nationale du cancer des enfants qui a été promulguée en septembre 2020 qui vise à améliorer la couverture et qui donne des bénéfices pour les familles qui ont des enfants frappés de cancer. Avec le soutien de l'OPS et de St. Jude, nous avons un registre pour les classifier et un observatoire qui permettra une meilleure observation et un meilleur suivi avec différentes stratégies telles que l'établissement des comités d'hôpitaux, le soutien des ONG, un suivi et une appli. On a réussi à réduire l'abandon du traitement qui passait de 18,6 à 8,5%. On a réussi à mettre en œuvre avec succès des outils de qualité tels que l'échelle de valorisation de l'alerte précoce dans quatre hôpitaux qui a réduit la mortalité de 30%. Suivante. Là, vous pouvez voir comment nous sommes parvenus à réduire la mortalité des patients hospitalisés par une intervention d'éducation auprès des parents et des professionnels de l'urgence. On a réussi à améliorer l'application des antibiotiques, ce qui a été fait dans le centre de référence et au plan de l'éducation. Nous sommes parvenus également à avoir une importante collaboration avec l'École nationale de santé publique pour faire la détection précoce, le criblage précoce du cancer des enfants. Nous envoyons ça à toutes les institutions et à l'Organisation régionale de la santé. Parmi les défis à relever, nous pouvons dire que le cancer des enfants au Pérou représente une charge importante de maladie et c'est la quatrième cause d'enfants des moins de 19 ans. Il y a plusieurs facteurs déterminants pour la faible survie des enfants frappés de cancer dans notre pays. Depuis notre expérience, nous savons que nous avons besoin d'avoir des actions conjointes afin d'atteindre des résultats comme ceux que l'on voit après l'initiative. Le deuxième défi sont les limitations d'infrastructures et de ressources et l'outil d'auto-évaluation des services que nous donne St. Jude, qui s'appelle Profile, nous a permis de connaître le besoin d'augmenter la disponibilité de lits et de plus de ressources humaines, quelque chose qui a été fait en pleine pandémie avec le concours des ONG. Et ensuite, nous avons réussi à obtenir un financement du ministère de la Santé. Finalement, troisième point, un défi a été la pandémie de la COVID-19. Le Pérou a été choisi comme un pays indice en juin 2019. Donc, avec la pandémie, aussi bien le diagnostic comme le traitement des patients est devenu plus complexe, surtout pour les régions éloignées. Mais ceci nous a poussé à développer la question de la télémédecine. Voilà, merci de votre attention et nous vous invitons à lire notre article. Merci, félicitations ici. Le Pérou a été le pays pionnier de la région pour la mise en œuvre de cette initiative et je vous félicite de ces acquis tellement importants. La portée a été énorme au cours de cette petite période et également pendant la pandémie. Donc, encore une fois, félicitations. Nous passons au pays suivant.
Il s'agit du Panama. Nous aurons Madame Karina Quintero, oncologue pédiatrique, chef du service d'oncologie de l'hôpital del Niño, l'hôpital de l'enfant de Panama. Vous avez la parole. Bonjour, merci. Je tiens à vous remercier de cette invitation de participer de ce séminaire et du supplément. Pour ne rien vous cacher, pour Panama, il y a eu beaucoup de difficultés, mais nous avons eu de grands progrès grâce à l'initiative mondiale du cancer auprès des enfants et des adolescents. Et c'était un chemin que nous avons parcouru entre 2010 et 2018, quand nous avons vu fonder la Commission du cancer de l'enfant avec tous les acteurs, toutes les parties prenantes et la Fondation de l'enfance des enfants frappés de cancer au Panama. En 2019, nous avons commencé la révision du plan national du cancer et là, nous avons créé un chapitre à part qui était consacré aux enfants, où nous avons pu remettre sur pied les objectifs que nous voulions étudier depuis 19 à 2029. C'est la période de validité de ce plan. Et pendant ces années, nous avons travaillé sur ces objectifs qui ont été posés au début. En 2021, on a créé un guide pour le diagnostic précoce de cancer et nous avons pu former plus de 1 000 professionnels d'attention primaire. Ils ont tous été formés à la suspicion de cancer auprès des enfants et des adolescents. Il s'agit là d'un guide qui est fondée sur comment pouvoir en renvoyer ce patient là où il devrait être examiné. En 2022, nous avons organisé un atelier où nous avons décliné ça en 6 commissions, infirmières, soins palliatifs, la partie psychosociale, registre hospitalier, diagnostic précoce et les services de santé. Tout ceci sous la houlette de Cure All, avec les principaux objectifs de diagnostic précoce, les lois, les guides de traitement plus actualisés et l'enregistrement de cancer. Et ceci a été appelé Cure All Panama. Dans cet atelier, nous avons pu utiliser l'outil C5 de St. Jude qui nous a permis de cerner tous les objectifs que nous voulions considérer comme primaires. Cette année, pardon, nous avons pu réviser les guides de traitement des infirmières et des infirmiers et nous sommes en train d'organiser un cours virtuel de diagnostic précoce de cancer pour atteindre un plus grand nombre de personnes qui font la prise en charge et qui donnent ce diagnostic précoce fondé sur le guide qui a été préparé en 2021, comme je vous le disais tout à l'heure. La portée de tout ce travail n'est pas encore bien connue. Dans l'article, nous parlons d'un pourcentage important de patients où on a pu faire le diagnostic plus précis pour les stades très précoces. Et la différence entre 2020 et 2022 peut représenter jusqu'à 30%. Mais vraiment, les petits changements sont ceux qui nous montre la différence. Par exemple, cette photo, Isabella a été le premier cancer qui a été pris de façon très précoce et elle devient une inspiration pour nous tous, puisque c'est sur la base de ce cas que nous allons continuer de travailler de façon infatigable pour avoir un diagnostic beaucoup plus précoce pour beaucoup plus d'enfants et qu'elle puisse faire un sourire comme celui que nous voyons à l'image. Merci, Madame Quintero, et je vous félicite de cette approche dans la détection précoce, le diagnostic précoce, pour former également le niveau de prise en charge primaire, car la date butoir, nous poursuivons le travail avec le groupe de pays. Nous passons maintenant au Salvador, Madame Andrea Chacon, qui dirige le programme du Service national des cancers au Salvador. Bonjour, c'est un plaisir que de vous saluer. Nous allons
Je vais vous présenter les progrès accomplis en tant que pays afin de mettre en œuvre tous les éléments de la stratégie d'abordage intégral du cancer des enfants. Nous avons commencé par faire un diagnostic de situation pour dire quel était notre point de départ en ce qui concerne les capacités existantes dans notre pays. En essayant de faire le point sur les éléments que nous pouvions reprendre pour examiner chacun des piliers de l'outil qui nous est fourni par Cure All. Tout d'abord, nous avons fait un diagnostic qui nous a permis de jeter les bases avec le conseil de l'OPS, l'OMS et St. Jude, et jeter les bases, comme je vous disais, du plan de contrôle du cancer auprès des enfants et des adolescents, et voir un petit peu quelles étaient les normes que nous avions dans notre plan national, ainsi que la loi actuelle que nous avons. Pour ce qui est des centres d'excellence, nous avons identifié un réseau entre le premier niveau des hôpitaux et le centre d'excellence, qui est l'hôpital Benjamin Blue, ou qui est valable pour tout le pays. C'est là le centre où sont renvoyés les patients une fois que les médecins ou l'équipe multidisciplinaire de cet hôpital a identifié un facteur, une symptomatologie qui l'aiguille sur une pathologie. C'est là que le service d'oncologie commence à rentrer en fonction, soutenu par le centre d'attention de la Fondation Ivil, qui est un travail qui se fait en coordination avec toutes ces parties prenantes. Il y a également un soutien qui est accordé par le personnel multidisciplinaire, parce qu'il est important qu'ils travaillent dans l'étude des facteurs de risque et de la prévention, qui, pour notre cas, en tant que pays, qui a beaucoup d'importance parce que c'est là le lien avec la stratégie de cancer de l'utérus pour ce qui est de la prévention du vaccin. Aujourd'hui, nous avons déjà le vaccin pour les enfants de 9 et de 10 ans, puisque nous savons qu'il s'agit là d'un facteur important qui va nous étayer non seulement dans la recherche d'un cancer pour les femmes, mais aussi pour d'autres types de cancers des garçons et des filles. Il est important également de dire qu'en ce qui concerne l'évaluation et le suivi, nous avons fait un lien entre nos registres. Et nous savons que dans le cas de l'hôpital Benjamin Blue, ils avaient déjà avancé énormément dans ce registre et nous l'avons repris en tant que pays maintenant, afin de les normaliser et d'avoir dans nos hôpitaux de troisième niveau et aussi au niveau du ministère de la Santé, un registre des cancers qui permet justement de savoir qui est où et de connaître tous ces cas d'enfants et d'adolescents frappés de cancer, qui nous permettra d'avoir un enregistrement et un suivi de ces malades et qui nous permet également de leur donner une plus grande couverture de diagnostic et un meilleur enregistrement puisqu'il y a une plus grande coordination entre les services et un meilleur suivi. Dans ce contexte, il convient de mentionner l'importance de l'éducation qui est faite et de formation pour le personnel de la santé et vous dire qu'aujourd'hui, au Salvador, nous sommes en train de mettre en œuvre le traitement des enfants et que l'on va développer également un atelier avec les points de repère des enfants et des adolescents pour renforcer leur capacité, pour voir quelle est la discussion des cas cliniques, pour que nous puissions en parler avec les spécialistes du diagnostic précoce, renforcer notre
travail, notre service et surtout notre centre d'excellence. Tout cela fondé sur les normes que nous avons préparées avec le plan de prise en charge des enfants et des adolescents, qui est un genre de ligne qui nous permet d'établir le chemin à suivre pour mieux aborder la question du cancer des enfants. Tout ceci va de la main de la coordination avec l'Alliance nationale pour le contrôle des cancers, où la Fondation est une partie prenante importante de l'Alliance, ainsi que les autres institutions. Et l'un des défis à relever pour nous est le renforcement des capacités, le renforcement des capacités comme un élément essentiel parmi les centres d'excellence. Voilà un petit peu, en gros, en essayant de vous redonner tous les éléments de Cure All, voilà un petit peu où nous en sommes. Merci. Merci, Madame Jalconde, de tout le travail accompli. Vous avez pour ces acquis tellement importants au Salvador, surtout avec le centre d'excellence. C'est vraiment très important. Nous poursuivons. Nous passons maintenant au Chili. Madame Julia Palma, qui dirige le programme national de cancer des enfants, pour montrer quelles en sont les retombées au Chili. Madame, vous avez la parole. Merci. Je tiens d'abord à vous remercier de qui me permet de vous dire quels sont les changements au Chili et comment nous avons saisi les occasions qui nous ont été données en travaillant en collaboration. Nous avons eu l'occasion de travailler avec vous, avec le Programme national de cancer des enfants qui a plus de 30 ans d'histoire. Nous avons eu l'occasion de voir nos résultats avec des statistiques de profile et la Fondation Friedrich Hilsel. Et ceci, nous avons pu le voir sur 360 degrés dans l'ensemble des centres du Chili, ce qui nous a permis d'évaluer les différentes occasions qui nous étaient fournies pour voir un petit peu profile, ce qui à son tour nous a permis de voir ce qui devait être amélioré. D'abord, les opportunités de spécialisation des infirmières, améliorer l'équipe de prise en charge du cancer des adolescents, également la diverse variété de tumeurs. Nous avons pu améliorer notre travail de coordination psychosociale et de voir comment nous pouvions améliorer ou d'étendre l'attention des patients jusqu'à la prise en charge des patients jusqu'à l'âge de 18 ans. Voilà, donc nous avions beaucoup de choses à faire. Et là, nous pouvons voir qu'avec Saint Jude et avec d'autres équipes, nous avons pu faire des rondes virtuelles au Chili en travaillant avec les hôpitaux et les services de soins pour améliorer les résultats que nous avions déjà avec une excellente qualité. Vous savez qu'au Chili, 85% des malades sont dans le système public et aujourd'hui, nous avons 79,5% de prise en charge de soins ou de cure du cancer des enfants, mais nous savions qu'il y avait beaucoup de choses à faire pour améliorer. Et c'est là où nous avons eu l'occasion de travailler à la signature d'un cadre de convention de coopération avec le ministère de la Santé et l'hôpital Saint-Jude, qui nous a permis de faire partie de l'Alliance, mais non seulement des institutions, mais aussi depuis une perspective ministérielle. Et là, nous pouvons apprécier que nous avons fait Sonia, qui est rêvée au cadre de progression de l'OPS. Ce que nous avons fait avec Profile nous a permis de savoir où nous en étions au Chili et de voir comment on peut travailler avec ce que nous voulions faire et comment atteindre cela avec le cadre progressif du travail de l'OMS. Et ceci avec les piliers de Cure All, de planifier notre plan d'action. Au Chili, en ce moment, nous avions un plan de cancer et d'avortement qui mettait en un seul paragraphe tout sur le cancer des enfants. C'était absolument invisible.
Et grâce à l'alliance de St. Jude et l'OPS, nous avons pu préparer un plan des enfants et des adolescents de cancer depuis le mois d'octobre 2022. Et on a créé une équipe de collaborateurs avec le concours de St. Jude, notamment le groupe qui travaille en Amérique latine, afin d'utiliser la méthodologie d'analyse des résultats et donc, et partant, mettre en route notre plan d'action. Et depuis cette perspective, nous avons pu travailler aux quatre piliers pour, par la suite, dire quels sont nos objectifs et la préparation d'un plan national de cancer des enfants et des adolescents qui est à retrouver dans les indicateurs transversaux afin de pouvoir avoir au Chili un plan national de cancer doit encore être lancé, mais qui a déjà des objectifs et des domaines d'intervention spécifiques. Et je dirais que le grand défi à relever aujourd'hui, c'est d'avoir terminé ce plan, de le mettre en route et que l'autorité n'a que la phase de l'évaluation juridique au ministère pour pouvoir avancer. Et cela va nous permettre finalement d'avoir un plan national de cancer des enfants et des adolescents pour 2023-2028, dont le défi principal est de mettre en œuvre tout ce qui a été planifié et travailler ensemble, la main dans la main, avec tous ceux qui ont travaillé et avoir donc des conséquences pour la qualité de vie et la survie de nos patients. Incroyable. Merci, Madame Palma. C'est une analyse formidable pour arriver à ce point de compter sur un plan national de cancer des enfants. C'est formidable, formidable. Ah, bien sûr pour le pays, mais vous comptez sur notre appui depuis l'OPS et St. Joe, tout ce qui a été mis en œuvre pour mettre en route ce plan national de cancer des enfants. Non seulement les pays se sont bénéficiés de l'initiative, mais aussi dans les Amériques, nous avons des sous-régions, soit des mécanismes d'investissement dans la santé. Nous avons trois sous-régions, une pour l'Amérique centrale, l'une pour l'Amérique du Sud et la troisième pour les Caraïbes. Et dans le panel suivant, on aura les auteurs qui ont publié des articles qui ont été faits au niveau sous-régional pour le bénéfice des pays dans cet ensemble, dans chaque sous-région. Et chaque conférencier va parler de son pays dans sa sous-région spécifique avec des exemples d'initiatives conjointes ou de bonnes pratiques qui sont mises en place pour avoir un plus grand impact. Nous commençons dans l'Amérique centrale avec notre docteur Katiuska Albaiero pour l'Amérique centrale. Merci beaucoup pour cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. C'est un grand plaisir de partager avec vous ce lancement du magazine. Et comme on a déjà mentionné, je fais partie du programme sous-régional pour l'Amérique centrale et la République dominicaine. Et ce rapport spécial a été un effort de collaboration pour catalyser la mise en place de l'initiative mondiale pour le cancer chez les enfants dans la sous-région de l'Amérique centrale. Il a été écrit avec le docteur Maria Campos, qui est le docteur d'intégration de santé du secrétariat du Conseil de ministres de santé de l'Amérique centrale, et le docteur Assouar, consultante internationale pour le cancer chez l'enfant. Je me réfère à ce que le programme sous-régional OPS-OMS pour l'Amérique centrale et la République dominicaine a joué un rôle politique et un articulateur entre les équipes techniques régionales de l'OPS-OMS et les mécanismes de l'Amérique centrale pour offrir une coopération technique depuis une perspective pour nos 8 pays qui sont le Belize, le Costa Rica, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama et République dominicaine. Nos principaux partenaires, c'est la coopération technique par le biais de SICA, le système d'intégration centra-américaine, et sur ce thème, et aussi d'autres régions, nous avons une interaction. Et cet article est un rapport spécial de ce travail permanent, et nous avons une équipe et des délégués
mix d'OPS et de notre centre de collaboration. Et sinon, nous n'aurions pas pu mener toutes ces initiatives sans l'aide de St. Jude Hospital. Cette collaboration a comme but d'appuyer la création des plans nationaux de cancer pédiatrique des pays et améliorer les taux de survie mondiale et la qualité de la prise en charge pour nos enfants et nos adolescents. Augmenter l'accès et la qualité des services de santé, y compris les soins palliatifs. Merci de mettre sur l'écran et je mentionne quel est le contenu de chaque octagone qui représente les 8 pays de la sous-région. Par le biais de cet effort collaboratif et ce que nous avons fait dans ces projets qui sont mis sur la diapo. L'un de ces projets mentionne la formulation des plans d'action nationaux qui sont en train d'être mis en place dans ces pays et on a mentionné ceux dont nous avons déjà le plan d'action national mis en place. Aussi, nous avons eu le lancement de campagnes de sensibilisation et pour les patients et les professionnels, et aussi la création de matériel d'éducation pour les enfants et leurs familles qui favorise la compréhension du traitement. Et nous avons aussi développé une plateforme de dialogue entre les pairs pour partager des bonnes pratiques et d'expériences réussites. Fréquemment, à chaque 2 semaines, nous nous rassemblons pour de différents thèmes ou la gestion et les sous-régions pour qu'on puisse interagir et connaître les bonnes pratiques, connaître ce qui a été fait, quelles activités ont été menées et nous bénéficier des expériences les uns des autres. Aussi, nous avons en ce moment, nous sommes en train de développer des normes. Ce sont des guides de pratique pour la région de l'Amérique centrale. Nous avons déjà le profil en utilisant la méthodologie GRAY recommandée par l'OMS. Et donc, tout ce travail de coopération est sans aucun doute un travail en équipe et très proche, une collaboration très proche de cette équipe mixte et avec l'hôpital aussi Saint-Jude. Et ceci nous a permis de formuler toute cette directive et toutes ces avancées et ces bonnes pratiques que nous partageons maintenant et que nous espérons que notre population d'enfants et d'adolescents en Amérique centrale puisse être bénéficiée avec ce travail que nous menons depuis notre équipe de la sous-région de l'Amérique centrale. Merci beaucoup. Et je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup, docteur Katiuska. Excellent travail. Et pour avoir tout ce matériel et ces campagnes et ces orientations cliniques en commun pour tous les pays de l'Amérique centrale. Maintenant, nous passons aux pays des Andes. Nous avons le docteur Maria del Carmel Dávila, qui est le secrétaire exécutif de l'Organisation de santé des pays des Andes. Merci beaucoup de cette opportunité de vous parler depuis l'organisme des Andes de santé par rapport à la santé et le système des Andes d'intégration. Et nous pouvons vous dire que nous sommes totalement convaincus que les droits des enfants et des adolescents sont très, très importants. Et définitivement, le fait de travailler pour eux et pour elles, c'est une ligne prioritaire pour notre organisation. Et ainsi, nous savons que le cancer est l'une des principales causes de mort des enfants et des adolescents de 0 à 19 ans dans les pays de la région des Andes. Et nous savons qu'en dépit de l'incidence standardisée de cancer dans ce groupe est similaire à celle d'autres pays en Amérique latine, le taux de mortalité
mortalité par cancer chez l'enfant dans la sous-région des Andes est de 6,8 morts par 100 000, substantiellement plus élevé en comparaison avec d'autres pays de la région qui arrivent à 4,8 morts à chaque 100 000. Et dans les pays, nous parlons de 85% de survie, et dans le pays à faible revenu, le taux de survie sont significativement plus faibles et sont autour de 10 à 60%. D'un autre côté, on a eu des investissements de 20% des enfants qui ont le cancer qui ont eu le COVID en comparaison que les enfants en général, et 4% des patients en comparaison avec la mortalité de 0,01 à 0,7% chez les patients pédiatriques en général. Nous considérons que parmi les facteurs qui empirent la maladie, c'est l'abandon du traitement, la prise en charge tardive et la toxicité, la progression de cancer et mortalité. Donc, l'impact de la pandémie a produit une autre mortalité et ceci a fait en sorte qu'on ait un agenda entre le ministère de Santé et les différentes institutions comme l'OPS OMS, le programme sous-régional pour l'Amérique du Sud de l'OPS, le St. Jude Hospital Research pour faire face aux effets de la pandémie. Je veux vous rappeler que j'ai reçu de St. Jude Hospital au Pérou quand j'étais la directrice de programme stratégique il y a plusieurs années, et on a entamé donc ce travail qui est tellement merveilleux aujourd'hui. Ceci a accéléré la mise en place des initiatives mondiales et régionales comme l'initiative mondiale contre le cancer chez l'enfant de l'OMS OPS. Dans ce sens-là, ceci est constitué par les ministères de la Santé de Venezuela, Pérou, Colombie, qui priorisent les droits des enfants et des adolescents comme une ligne prioritaire, et le cancer comme un problème de santé publique à être abordé de façon conjointe. Quels sont nos résultats? On a élaboré un diagnostic situationnel de cancer dans les pays des Andes de 2015 à 2020, un diagnostic de situation de cancer chez l'enfant pour le diagnostic de ligne de base de la période 2015-2021, sous une perspective de feuille de route avec les principales lignes stratégiques, la résolution PREMSA qui approuve la politique pour la prévention et le contrôle de cancer et crée le comité des Andes de contrôle de cancer. Voilà la photo de tout le comité de prévention et contrôle de cancer dans la région des Andes et la mise en place du projet et la résolution extraordinaire de la réunion 36 du comité des Andes de prévention et contrôle du cancer, l'élaboration et la mise en place et le suivi de la feuille de route et de promouvoir des mécanismes dans les pays de la sous-région des Andes pour un meilleur suivi et évaluation des engagements internationaux et nationaux pour la meilleure prise en charge du cancer chez les enfants et chez les adolescents. Ceci est sorti le 15 août de cette année. Nous avons fait des webinaires, la réalité du cancer chez l'enfant dans les Amériques, meilleure stratégie, la journée internationale de la lutte contre le cancer et définitivement avec l'OPS, notre principal allié stratégique dans le programme de coopération entre les pays pour le développement sanitaire depuis juin de cette année. Nous travaillons dans le projet de détection précoce du cancer chez l'enfant dans la sous-région des Andes, avec la participation active des 6 pays des Andes, groupe de travail du cancer chez l'enfant, avec les objectifs suivants: renforcer les compétences des promoteurs de santé par la formation de la méthodologie de détection opportune, surtout de l'attention primaire. Améliorer la sensibilisation par le biais d'une campagne de communication au niveau régional. Et la prochaine diapo, s'il vous plaît.
pour voir qu'est-ce qui est construit, l'élaboration d'instruments stratégiques pour réglementer les activités et la publication des rapports sous-régionaux pour améliorer le cancer chez l'enfant dans les pays des Andes par les auteurs Patricia Gallardo, Liliana Vázquez et Anand Sepúlveda. À ce moment-là, nous avons un effort conjoint et interinstitutionnel pour avoir un plan de prévention et contrôle de cancer pour la période 2024-2030 et la préparation d'une feuille de route pour la prévention et le contrôle du cancer chez l'enfant, des documents d'orientation et nous espérons le conclure avant la fin de l'année. Et l'organisme des Andes, nous sommes fermement convaincus que les enfants et les adolescents seront toujours les premiers, la base de notre travail, ainsi que d'établir des mécanismes de coopération pour promouvoir le développement de stratégies sous-régionales pour améliorer la détection précoce et le traitement de bonne qualité et dans la lutte contre le cancer et surtout le cancer chez les enfants. La Bolivie, le Chili, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela, ensemble, nous sommes plus forts et ensemble, nous allons plus loin. Merci. Merci beaucoup, docteur Carmen, de votre leadership avec les pays des Andes pour le travail harmonisé, surtout dans la formation et la campagne de communication. Et je veux également vous remercier du travail qui va être mené la semaine prochaine dans la réunion avec le Mercosud et qui rassemblera tous les ministères. Oui, exactement. Pour continuer à parler du cancer chez l'enfant et d'autres maladies non transmissibles. Donc, merci beaucoup. Nous passons maintenant à la sous-région des Caraïbes et nous avons avec nous docteur Michel Rees-Mills, qui est pédiatre et hématologue à l'Université de l'Hôpital des Indes occidentales. C'est merveilleux de vous voir, docteur Michel. Merci beaucoup. C'est mon plaisir d'être ici avec vous au nom du groupe des Caraïbes. Je ne suis qu'un point de cette chaîne, mais si j'ai un mot pour décrire les impacts de cette initiative des Caraïbes, ça serait la transformation. L'initiative a définitivement eu un impact positif sur les enfants de la région. J'aimerais voir le fond. C'est un effort de collaboration entre les médecins à l'hôpital des enfants et 6 pays de langue anglaise dans les Caraïbes. Les Bahamas, Barbados, Jamaïque, Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie et Saint-Vincent. Et l'objectif principal est d'améliorer les résultats pour ces enfants dans la région. Et une partie de cette association de pédiatrie et oncologie, on n'a pas eu beaucoup d'attention dans notre région. Si vous regardez le résultat, c'est le leucémie. On a vu que le taux de survie en Amérique du Nord est environ 90%. Et c'est de 60% dans les pays qui ont été mentionnés. Donc, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de travail à être réalisé pour combler ces lacunes. Ce partenariat de 20 associations ont commencé en 2013. Au début, c'était informel et ensuite, il a été formalisé avec des objectifs et des initiatives spécifiques, comme vous pouvez le voir. Il y a des éléments clés de focus, d'augmenter la capacité dans la région. Et donc, entre 2012 et maintenant, on a eu 5 groupes d'oncologues qui ont été formés. Et tous ces professionnels sont retournés à leur pays et mené les programmes. On a un professionnel qui se forme maintenant
et nous aurons une personne qui va se former à chaque année pour qu'on puisse augmenter graduellement la capacité dans la région. Il y a eu un focus aussi dans l'éducation d'infirmières et infirmiers. Et nous faisons beaucoup de consultations de cas. Nous avons eu un conseil spécialisé de 600 consultations où peut-être nous avons des difficultés en termes de diagnostic dans les différents pays. Et nous sommes aussi soutenus par l'immunohistorique pour avoir un meilleur diagnostic. Donc, nous savons que les enfants qui sont pris en charge ont une amélioration et on peut mesurer notre impact. Et on a focalisé également sur les examens sur les nouveau-nés et on a donné un soutien à plus de 800 000 cas en Jamaïque et Sainte-Lucie. L'engagement des parties prenantes est un grand projet pour mener à bien cette initiative. Cette initiative a aussi une phase de durabilité. Donc, l'emphase c'est de comment les pays partenaires peuvent s'engager et vraiment avoir le leadership de mener à l'avant cette initiative. Et ceci sera soutenu par la fondation SickKids, qui a de façon très généreuse, c'est une fondation qui fait honneur à notre leader, docteur Victor Blanchet. Donc, cette collaboration a renforcé les liens dans la région au fil des années. Et je pense que si nous nous demandons si les enfants qui ont le cancer, s'ils sont mieux qu'il y a 10 ans, je dirais que c'est oui, absolument. Mais il faut prioriser et faire des progrès dans la bonne direction et de maintenir notre association chaque fois mieux. Merci beaucoup. Merci à vous et à toute la communauté des Caraïbes qui travaille de façon très forte et surtout pour renforcer les ressources humaines, parce que nous savons que cette attention spécialisée exige une formation spécialisée. Merci. Maintenant, nous allons continuer. Je sais que nous avons un petit retard, mais on essaye de faire le plus rapidement possible. On a tellement d'histoires merveilleuses et l'un des projets, c'est pour la sensibilisation qui est très critique pour créer le changement. Et l'équipe a été très innovante avec des stratégies de racontage d'histoire. Donc, dans ce panel, nous avons trois leaders dans cette stratégie de racontage d'histoire. Nous avons le docteur Swalabi, qui est notre consultant dans la région. Avec Paro, et nous avons le docteur Irini Albanti, qui est le directeur exécutif de l'exécutif humanitaire, et Megan Shea, qui est la directrice et productrice et cofondatrice de Persistent Productions Film. Nous commençons avec Megan, et nous savons que cet engagement avec le cinéma et le film est très intéressant, et on veut que vous partagiez votre expérience en utilisant les récits et le racontage d'histoires, comme les films et le cinéma. Comment ceci a aidé à combler la lacune entre les connaissances et la compréhension des problèmes du cancer chez les enfants? Merci beaucoup, Sylvana, et merci beaucoup de m'avoir dans cette réunion et de m'inclure comme cinéaste. Je vais partager comment les histoires qui sont racontées peuvent combler ces lacunes et améliorer la discussion entre le public en général et les professionnels de santé. Et vous verrez le poster. C'est un documentaire qui suit
la trajectoire de 4 enfants qui ont le cancer en El Salvador, Guatemala, Égypte, Myanmar et Ghana. Il y a une version plus longue de 90 minutes de ce film et il y a des versions plus courtes de 22 minutes et 13 minutes que nous avons utilisées de plusieurs façons différentes pour partager les informations sur ces lacunes et l'initiative mondiale pour le cancer chez les enfants. Vous verrez ici, c'est une visualisation de notre distribution, notre stratégie d'impact. Voilà les sujets que nous avons focalisés pour le public en général. Vous verrez 3 cibles principales et ceci inclut des séances spécifiques, des présentations de films au congrès de cancer au Pérou et la distribution de matériel d'éducation. Il y a aussi des festivals de cinéma et nous sommes très heureux de faire aussi partie d'accès en streaming. Et ensuite, notre distribution d'éducation inclut des séances en personne à l'école médicale de Harvard et aussi des séances sur l'Internet avec Duke University à Singapour, l'Université d'Arizona et d'autres. Donc voilà toutes les façons par lesquelles nous avons essayé de combler cette lacune. Aussi bien en termes d'audience, de public et de distribution, mais aussi pour montrer que le film peut être un outil très important dans ce récit. Et je passe la parole à ma collègue Irini Albanti, qui va partager la stratégie. Merci, Megan et Sylvana. Bonjour à tous et à toutes. C'est un honneur d'être ici avec vous. Comme ma collègue Megan a mentionné, c'est un plaisir de travailler ici avec vous. Je suis l'une des productrices et je vais vous donner un contexte avant d'expliquer les graphiques sur cette diapo et vous pourrez lire dans la publication récente. Lorsqu'on a commencé à faire le brainstorm, comment on peut utiliser les récits et le racontage d'histoire, on voulait partager les histoires réelles des familles et d'une façon qui ait un impact et qui soit vrai et honnête. Donc, on a vu aussi l'article, mais aussi la beauté de comment on a fait ce programme, c'est que nous voyons une augmentation des taux de survie et aussi l'engagement des familles et des patients. Ceci nous invite à réfléchir à ces inégalités d'une façon complémentaire aux publications scientifiques et des efforts de défendre et de mettre en évidence ce sujet. Et donc, le storytelling peut être un outil très puissant. Nous pouvons utiliser des vidéos pour sensibiliser, éduquer, avoir des fonds. Et aussi la valeur de la collaboration en plus de la médecine et de la science pour combler les lacunes et réduire les inégalités et inspirer les changements. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, nous développons notre propre théorie de changement et nous nous concentrons sur 3 domaines d'expertise. Le storytelling, les stratégies, la santé publique, le cancer chez l'enfant, l'impact du changement et aussi l'objectif de faire un impact. Et notre intention, c'est de mettre en place notre stratégie en commençant à la documentation des expériences pour atteindre une audience plus ample et engager des différentes parties prenante et ensuite inspirer un appel à l'action et créer un impact pour qu'on puisse réduire les inégalités mondiales. Dans nos efforts, comme vous pouvez voir, nous nous concentrons sur 5 impacts.
éduquer le public en général, mais aussi les professionnels de santé, les médecins, les pédiatres, les médecins, et aussi utiliser les Nations Unies, les objectifs de développement durable des Nations Unies, et aussi sensibiliser dans les hôpitaux en utilisant aussi les outils, et aussi sensibiliser avec des événements, des conférences ou comme un événement comme celui-ci pour montrer le film et pour y compris complémenter la lutte contre le cancer chez l'enfant. Aussi changer les politiques. Au Pérou, comme Sylvana l'a mentionné, Pérou a été un pionnier avec le docteur Liliana Vasquez. On a utilisé le film pour changer les politiques de santé locales et la politique de contrôle de cancer et de changer le système et augmenter la visibilité et la prise de conscience. Et aussi augmenter la défense de la cause. Et aussi l'initiative mondiale pour capturer des fonds, pour défendre le changement et le soutien. Et bon, capture de fonds, le film a été un outil pour capturer des fonds et on peut vous donner plus d'informations. Ils ont utilisé le film pour la fondation de l'hôpital pour obtenir plus de fonds et faire en sorte que nous obtenions plus de donateurs. Et nous serons très heureux et heureuses de vous donner plus d'informations. Merci. Merci aux deux. Et si vous n'avez pas, je vous encourage à voir ce film. C'est pourquoi nous avons eu tellement de portée dans tous ces domaines et j'adore le fait que l'on se centre sur l'éducation et atteindre les étudiants universitaires, car je crois que nous devons créer la relève, la génération suivante qui s'occupe de la question de la prise en charge. Nous avons maintenant Madame, Monsieur Fuentes Alabi, qui nous dit comment nous travaillons dans l'initiative mondiale contre le cancer de l'enfant. Vous avez la parole. Merci Sylvain, merci Megan, et merci de tout le soutien avec le film pour engager les parties prenantes. Et merci de poser une question aussi critique, Sylvain, qui parle de résultats de notre atelier qui ont des portées tellement immédiates que dont les gens peuvent profiter. La comité doit établir des priorités dans les portefeuilles de priorités qui permettent de trouver les domaines d'intervention dans les projets spécifiques qui peuvent être atteints à court terme, à moyen terme et à long terme. Plus l'identification de ressources pour finir les projets. Exemple. L'allocation des ressources, les ressources financières et humaines pour avoir les activités qui ont le plus de portée. Collaboration entre toutes les autres organisations qui participent également pour s'occuper du cancer dans les partenariats multisectoriels, non seulement gouvernementaux, mais aussi les ONG, le secteur privé et les communautés. Il faut parler également des campagnes de prise en charge pour s'occuper d'une amélioration des taux de survie. Et pendant le travail, l'une des activités qui ont été priorisées pendant le début a été la détection précoce. Avec cela, beaucoup de pays de la région centra-américaine et la République dominicaine ont travaillé pour améliorer le travail sur le cancer des communautés et d'avoir les interventions précoces pour sauver des vies. L'étape suivante est celle d'obtenir le recueil de données et d'informations pour savoir où on en est. En faisant l'analyse et le suivant de ces interventions et poursuivre avec la transmission de cette information en cherchant la sensibilisation pour la détection précoce pour
continuer de prendre en charge les enfants et les adolescents frappés de cancer. Ah, pour conclure, même si a priori la matrice nous donne simplement une feuille de route, en fait, la prise en charge fait appel à un énorme système de collaboration avec toutes les parties prenantes. Merci. Merci, Madame Fuentes-Alabi, pour nous montrer comment le film et le récit peut permettre d'augmenter le transfert d'informations et le recueil d'informations auprès de toutes les parties prenantes. Merci de notre et voir le film Comment je vis est excellent. Je sais que nous sommes un petit peu en retard. Je vous remercie de cette patience. Mais il y a tellement de patience que nous avons encore un dernier groupe qui parle du travail de collaboration qui se fait grâce à l'initiative. Et je vais passer à l'espagnol. On a créé plusieurs groupes de travail pour développer ces produits de collaboration qui peuvent être mis en œuvre dans tous les pays de la région. Dans ce groupe, nous allons parler des avancements atteints dans cette collaboration, tels que l'attention psychosociale, l'éducation des soins palliatifs, la neutropénie fébrile et l'influence de la société civile dans le soin du cancer des enfants. Nous avons quatre femmes leaders dans le cancer pédiatrique qui sont en train de diriger différents groupes de travail et qui ont écrit leurs articles pour les articles. Nous commençons par Madame Viviana Trigoso, psychologue de l'Université catholique du Pérou. Elle va nous parler du travail du soutien psychosocial. Madame, vous avez la parole. Merci. Bonjour. Je tiens à vous remercier de votre invitation et de l'occasion de pouvoir parler de ce projet psychosocial. Là, nous parlons du processus qui est fait par un projet qui est orienté à l'amélioration du travail psychosocial pour le pilier des centres d'excellence. Il faut dire que ce projet a été possible grâce à l'OPS et notamment Marcelo Zubieta, la Fondation Roche-Posay et tous les professionnels qui ont apporté leur petit grain de sable. Mais c'est une expérience qui est née au Pérou comme pays focal et ensuite s'est étendue à l'Amérique latine et les Caraïbes. Et sans doute cela va continuer de se développer de la sorte. Pour répondre à la question pour savoir quels sont les plus grands progrès, je voulais mettre en exergue trois aspects. D'abord, l'un des plus pertinents a été le grand niveau de participation et d'engagement des professionnels de la santé de différentes institutions. D'abord, cela a été valable pour le Pérou avec une analyse situationnelle, la consolidation initiale du projet avec le comité psychosocial, avec le groupe multidisciplinaire, pour ensuite pouvoir élargir cela à la région avec un comité psychosocial régional et des groupes d'experts, ce qui permet que plus de 50 professionnels et pu participer dans différents domaines d'intervention, le réseau partage d'expériences, à parler de matériaux et autres. Et c'est grâce à cela que nous avons pu atteindre l'objectif central qui est celui que je vous mentionnais, l'amélioration du système psychosocial. Cette proposition est fondée sur l'évidence dont ces grandes lignes font partie. Mais pouvoir les transmettre aux besoins identifiés et aux ressources disponibles dans la région. Dans ce sens, on a fait une proposition de 6 normes de soins psychosociaux, dont les services les plus importants auxquels un enfant frappé de cancer doit atteindre. On considère également quelles sont les compétences psychosociales susceptibles d'être développées par l'équipe et la prise en charge de ces équipes. Et finalement, un aspect très pertinent a été les études transversales, le cours de vie, le genre, l'interculturalité et les droits. Cette proposition, celle que nous offre, est un cadre de référence à partir des évidences des besoins de la région
pour pouvoir établir des objectifs et un plan de travail qui va prendre en considération ces aspects, les ressources et les défis à relever. Et c'est grâce aussi au développement de la proposition que l'on a pu voir cette troisième aspect qui est le renforcement de la formation de professionnels, la plus grande élaboration de matériel pédagogique. Et nous comptons, et vous pouvez le voir dans la page de l'OPS avec des vidéos sur l'attention psychosociale, aussi bien en espagnol qu'en anglais. On a parlé du projet et l'on a mis en œuvre des espaces pour les professionnels avec des modules psychosociaux dans le cadre de l'École nationale de santé publique du Pérou et un programme du cancer pédiatrique en attendant également de lancer sous peu un cours au niveau de l'OPS d'auto-formation pour renforcer les compétences des professionnels. En voyant toutes ces considérations, je veux en finir en parlant de certains défis. Développer un nouveau plan stratégique régional pour mettre en œuvre en mode pilote ces normes. On pense à deux ou trois pays qui pourraient nous servir à utiliser un guide d'évaluation qui va permettre que d'autres institutions et d'autres pays de la région et des pays aux faibles revenus puissent les mettre en œuvre. Et il faut dire également que ça sera possible grâce au développement de politiques qui veillent sur l'accès et la qualité psychosociale dans le cadre des institutions au niveau de la région. Et je vous invite à vous en savoir davantage, à lire l'article et à vous remercier de votre attention. Et je suis très content de pouvoir me rallier à cette initiative. Merci, Madame Gosso. Et dites-nous quel site web pour pouvoir y accéder. Nous passons maintenant au matériel pédagogique avec Ximena Garcia Quintero du programme de Saint-Jude qui va nous le présenter. Merci de cette invitation. C'est un plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous parler sur ce travail que nous avons fait en collaboration avec l'OPS. En commençant par vous dire que les soins palliatifs constituent l'un des piliers pour les patients oncologiques et d'autres maladies qui font des soins palliatifs un besoin moral et une priorité. Mais ceci n'est pas toujours possible et les barrières pour atteindre les soins palliatifs sont nombreuses. L'une de ces barrières est le manque d'éducation des professionnels et de la communauté. Pour ce travail, le rôle principal est celui des parents, ceux qui s'occupent des enfants ayant le cancer, et c'est eux qui permettent une meilleure alphabétisation parce que c'est ainsi qu'ils prendront de meilleures décisions pour prendre soin de leurs enfants. C'est pourquoi l'on voit apparaître le développement de ce projet qui a été fait en collaboration avec l'OPS et notre équipe de Saint-Jude et l'équipe Together de Saint-Jude avec un groupe d'experts régionaux d'Amérique latine et les Caraïbes, où nous avons identifié que l'une des priorités d'éducation pour les parents était justement celui de l'abordage de ces malentendus ou confusions, et surtout de voir comment les parents peuvent aider leurs enfants à améliorer leur qualité de vie et réduire leur souffrance. Ce groupe d'experts et cette merveilleuse collaboration qui s'en est découlée a donné lieu à la préparation de 8 modules où l'on envisage différentes questions de soins palliatifs, gestion de la douleur, amélioration de la qualité de vie, accompagnement et soins, la prise en charge à la maison, etc., etc. Et ces contenus ont été validés par ce groupe d'experts. Finalement, nous avons construit ces 8 modules que vous avez là sous les yeux, qui ont été traduits dans de nombreuses langues. Et pendant les 15 premiers mois après la publication,
Cela a été téléchargé plus de 2500 fois, plutôt 2825 pour être précis. Et ce que ceci montre, que ce type de projet, c'est là où nous mettons l'accent sur le personnel de soins et qui peut permettre d'améliorer la qualité de vie des enfants. Cette collaboration a été très importante et nous espérons que ces modules pourront continuer d'atteindre plus de gens, plus de parents. Et c'est pourquoi nous vous invitons à scanner le code QR. Vous trouverez non seulement l'article, mais aussi vous aurez l'accès gratuit à chacun des 8 modules. Merci. Merci, Madame Garcia Quintero. Nous passons au groupe suivant. Madame Ana Mendieta, médecin spécialiste d'urgence de l'hôpital Rey Bagliati Martins du Pérou. Madame, vous avez la parole. Bonjour. Je tiens à remercier toute l'équipe qui a organisé cette activité avec des objectifs tellement importants dans notre service d'urgence pédiatrique ou qui fait partie de l'hôpital Rey Bagliati Martins au Pérou. C'est un hôpital niveau 3 qui se trouve dans la ville de Lima et qui reçoit des patients de grande complexité, qui n'est pas uniquement pour enfants, mais un service de pédiatrie. Dans ce service, nous recevons tous les patients hautement complexes et dans ce groupe tellement vulnérable se trouvent les enfants qui sont en traitement d'un problème de cancer. Ce projet est un projet d'amélioration continue appelé stratégie multimodale pour améliorer la prise en charge des patients avec un cancer. Il a été développé dans un service et il a misé sur la rupture de barrières, d'imposer des changements avec un changement de culture du travailleur de la santé. Et il a également essayé d'améliorer la situation des patients. Notre scénario était celui qui avait des attentes très prolongées quand il avait des problèmes de médicaments. Nous avons trouvé des études de 2017-2020 où les temps d'attente pour le traitement étaient prolongés et étaient loin de ce qui était recommandable. On a fait une analyse en utilisant des outils de qualité pour pouvoir savoir quels étaient les points d'accès permettant d'améliorer la situation. On a utilisé des outils de qualité pour identifier les scénarios les plus importants et les plus accessibles. En tant que travailleur des institutions professionnelles de la santé, pour améliorer, avec les alliances stratégiques qui ont été données par l'OPS, l'OMS, l'hôpital, le centre de santé et le St. Jude, on a vu apparaître tout un système qui était adressé au personnel de santé avec l'idée de rendre les critères plus homogènes, de concentrer les patients, de condamner les procédés, la priorité et surtout l'application d'algorithmes et de formes de suivi de ces malades. Nous avons dû convoquer un personnel de laboratoire, un personnel de pharmacie pour faire partie du groupe d'attente de prise en charge des malades pédiatriques. Quelle a été la portée grâce à l'outil éducationnel qui a été fait grâce au concours d'experts, d'experts en hématologie et autres? Cela a été une plateforme virtuelle où on a donné des cours afin de former le personnel. Le personnel, les médecins, les pédiatres, les infirmiers, tous
qui d'une façon ou d'une autre travaillaient dans le service et qui avaient une forte participation dans les soins de ces patients. De telle sorte que nos trouvailles initiales ont permis de réduire l'impact. Si nous avions un temps prolongé entre le moment où le patient commençait avec la fièvre chez lui jusqu'à l'arrivée aux urgences et s'installait dans l'unité de traitement, après l'impact, on est passé de 22 heures à 2 heures, 83%, parfois 1 heure, et que le degré de satisfaction des usagers s'est fortement amélioré quand ils ont vu que le résultat était positif. L'équipe des OTT était une équipe d'amélioration continue qui doit développer dans le domaine clinique des propositions de stratégie multimodale proposées par l'OMS pour l'amélioration continue du patient avec cancer. Ici, cela a été très positif et surtout ces temps réduits. Ce qui a surtout été important, c'est que la pause qu'avaient ces enfants quand ils avaient ces complications d'infection s'est écourtée. Ils ont pu avoir une meilleure réinsertion pour recommencer leur programme thérapeutique. DOT est devenu un projet d'amélioration continue qui mise sur le continuer d'être diffusé dans tous les hôpitaux, non seulement dans notre pays, mais dans toutes les populations qui ont d'énormes barrières culturelles et sociales et où les changements et les systèmes de services de santé ont beaucoup à apprendre. Merci. Merci de cet excellent travail et l'énorme impact. Nous passons maintenant à la dernière présentation de ce groupe. C'est au tour de Marcela Subieta, présidente de la Fondation Nos Enfants du Chili et qui est la représentante d'Amérique latine, No Shelter Cancer International. Marcela, tu as la parole. Elle va nous parler du soutien de la société civile. Bon après-midi depuis le Chili. J'ai un peu de laryngite, mais je vais faire de mon mieux pour m'exprimer. La Childhood Cancer International est une organisation mondiale qui regroupe 180 organisations de la société civile dans tous les continents du monde. Comme nous avons écouté dans les différentes présentations, notre région montre une très grande inégalité dans la prestation de services pour les filles et les garçons et les adolescents qui souffrent du cancer. Et dans le CCI, dans l'Amérique latine, on compte 42 organisations de 17 pays, comme vous pouvez le voir sur cette diapo devant vous. Ce réseau travaille en alliance avec l'Organisation panaméricaine de la santé, avec la Société d'Amérique latine d'oncologie pédiatrique et reçoit aussi l'appui de Saint-Jude. On fait annuellement une conférence où nous comptons avec le soutien de ces parties prenantes et nous sommes engagés d'améliorer les prises en charge des enfants qui ont le cancer, non seulement en exerçant la sensibilisation et la défense et le soutien psychosocial, mais aussi dans plusieurs cas, comme nous avons montré ici, avec des informations médicales importantes qui puissent proposer de meilleurs services médicaux. Ce réseau est profondément engagé avec la stratégie Cure for All et pour réaliser de différentes initiatives pour améliorer les normes de la façon d'améliorer et pour être plus efficace et pour accomplir aussi
avec un projet de coordonnées pour des expériences réussies au sein du programme en Amérique latine et d'autres régions comme fait l'Asie. Et ainsi, pendant les dernières années d'existence, on n'avait jamais vu un mouvement aussi efficace et aussi important pour les enfants qui ont le cancer dans le monde. Et cette initiative nous remplit d'espoir que nous pourrons continuer d'avancer pour dans 7 années, dans les prochaines 7 années, pouvoir célébrer le fait que on aura augmenté le taux de survie dans tous les pays de l'Amérique latine, parce que aucun enfant ne mérite de mourir dans le début de sa vie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, et ce projet est très important dans la région, et merci spécialement à Liliana Vasquez qui a été un grand soutien au travail du réseau dans notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Zubieta, et au rôle de la société civile est fondamental. Et maintenant, nous avons également une vidéo, un message de SIOP, qui est une organisation, une association professionnelle qui soutient le travail dans la région, la SIOP, la Société d'Amérique latine de l'oncologie pédiatrique. Chers amis, je suis Andrea Capellano, actuelle présidente de la Société latino-américaine d'oncologie pédiatrique. C'est un grand plaisir d'être ici, de représenter la SIOP pour cette initiative mondiale pour le cancer chez l'enfant. C'est extrêmement important pour nous, la Société de l'Amérique latine, de montrer notre collaboration dans ces premiers 5 ans depuis le lancement de cette initiative mondiale. Appuyer la lutte contre le cancer chez l'enfant est une grande responsabilité et on a rassemblé des efforts avec des professionnels du monde entier pour assurer que des enfants et des adolescents avec le cancer aient accès à un diagnostic et à une prise en charge adéquate. Comme résultat de ce travail conjoint, nous avons vu de grandes avancées dans la détection précoce et dans le taux de survie et de qualité de vie de nos patients. Nous savons qu'il y a encore beaucoup à être fait et c'est pour ça que nous appuyons pleinement l'initiative mondiale pour le cancer chez les enfants. Ensemble, nous pouvons faire la différence dans la vie de nos enfants et nos adolescents et de leurs familles dans la lutte contre le cancer chez l'enfant. Nous allons continuer à travailler en collaboration pour assurer que tous et toutes ont un traitement efficace et des soins de qualité indépendamment de l'endroit où ils vivent. Merci. Bonjour, chers amis de l'Amérique latine. Je veux remercier spécialement le docteur Liliana Vasquez de l'invitation. Je suis le docteur Guillermo Chantada. Je suis le président de la Société internationale d'oncologie pédiatrique. C'est un grand honneur pour moi de représenter la SIOP en ce moment pour accompagner ce lancement de l'édition spéciale du magazine et le programme que l'OMS mène avec l'initiative mondiale pour le cancer chez l'enfant. La SIOP est un acteur qui n'est pas de l'État comme partie de ce programme qui est mené par l'OMS et a un rôle très important dans son développement et son exécution. Et c'est un grand honneur pour nous de participer de cet événement. La SIOP à la Société de l'Amérique latine d'oncologie pédiatrique comme délégation continentale et par le biais de l'association avec la SLAP, nous venons de terminer une cartographie mondiale de tous les centres, de toutes les ressources de chaque pays pour l'oncologie pédiatrique et cette cartographie est mondiale. Nous avons toutes les données de l'Amérique latine à disposition du programme de l'Organisation panaméricaine de la santé. En plus, la SIOP appuie la mitigation de la région par le biais du programme PARC, qui renforce la capacité d'opération des groupes de collaboration en oncologie pédiatrique. Dans ce cas-là, nous appuyons fortement
le groupe qui fait un travail très important sur le continent pour amplifier son spectre et incorporer plus de centres et plus de maladies et qui puisse générer les résultats dont nous avons besoin pour pouvoir améliorer la qualité de la prise en charge et la survie des patients qui ont le cancer. La SIOP appuie aussi l'éducation par le biais justement de la Société de Latino-Amérique et d'autres institutions qui collaborent avec notre programme, comme le programme TEDEO, où nous menons un programme de 2 ans d'appui à la formation des oncologues pédiatriques dans toute la région et plus de 40 centres en Amérique latine depuis déjà 3 ans de développement. Je suis très heureux d'être ici avec vous et je vous envoie des salutations depuis Montevideo et je souhaite toute la réussite de cette initiative. Merci. Donc, nous sommes arrivés à la fin du programme et waouh, c'était vraiment merveilleux tout le travail qui a été montré dans ce webinaire, tous les articles, tout le soutien de tous et toutes. Et après 2 heures et demie, nous avons encore plus de 500 personnes qui participent, ce qui montre tout l'engagement, l'intérêt et la volonté pour améliorer les systèmes de santé et améliorer la qualité de l'attention aux enfants et les adolescents qui ont le cancer. Donc, nous clôturons ce webinaire avec des mots de clôture par le docteur Claudio Rodriguez. Merci beaucoup. Carlos Rodriguez, merci à tous et à toutes de ces 2 heures merveilleuses de partager de ce travail et ce progrès. J'ai écouté des initiatives merveilleuses focalisées sur la transformation, sur les besoins de la région. Ceci a été mené pendant 5 ans par le biais de l'Initiative mondiale sur le cancer chez l'enfant. Lorsqu'on a lancé devant l'Assemblée générale des Nations unies, on a demandé le droit à la guérison, le droit à la prise en charge, le droit à l'accès au traitement, à la prise en charge et le traitement à être guéri, le droit à ses enfants d'avoir un avenir, le droit à pouvoir vivre. Et c'est comment nous avons commencé. Et ce droit à pouvoir vivre s'est transformé dans le paquet technique de Cure-All. C'est le parcours que nous voulons suivre pour prendre en charge le cancer chez l'enfant. Nous reviendrons dans une semaine aux Nations Unies pour célébrer les 5 années de cette initiative, pour montrer au monde qu'effectivement, nous avons pris en charge cet appel de tous ces enfants et du droit qu'ils ont de pouvoir vivre. Et nous avons vu que nous sommes prêts pour ce défi que nous avons accepté de mener avec avec tout le sérieux et nous sommes prêts à faire face à ce défi depuis le Rio Grande jusqu'à la Patagonie. Et nous devons être très fiers et nous féliciter à tous et à toutes. Mais malheureusement, pendant ces 2 heures et demie que nous avons parlé, on a eu de nouveaux diagnostics de cancer chez les enfants et des enfants qui sont morts dans les hôpitaux et dans leur foyer. Et donc, nous ne pouvons pas attendre. Et depuis la ville de Mexico, pendant la pandémie de COVID, le cancer ne peut pas attendre, nous non plus. Nous devons nous concentrer pour suivre ce parcours. Cet effort demande le meilleur de nous et de nos gouvernements et des politiques de santé, des systèmes de santé et des hôpitaux, des professionnels de la santé et des professionnels des politiques de santé, des organisations professionnelles, des organisations de parents et de patients, les avocats et les amis. Et donc, comme on dit en anglais,
On a besoin de toute une ville, de tout un village pour prendre en charge un enfant qui a le cancer. C'est la communauté que nous construisons dans les Amériques, une communauté avec un objectif très concret, avec un focus très concret, une communauté dans laquelle tous et toutes nous avons un rôle à réaliser et qui nous mettent tous et toutes ensemble avec un sentiment d'appartenir et de futur, d'avenir. Et depuis Saint-Jude et depuis le programme de Saint-Jude mondial, depuis 1962, nous voulons réaliser ce rêve pour que aucun enfant ne doit mourir de cancer. Comme vous le savez, nous sommes focalisés d'avancer et de travailler avec tous et toutes, avec des méthodes de travail, des outils, avec l'éducation, avec les recherches, et en travaillant ensemble avec plus de 200 fondations et organisations de plus de 70 pays qui nous appuient pour co-dessiner parmi nous cet avenir. J'ai lu que la meilleure façon de prévoir l'avenir, c'est en le créant. Et c'est ce que nous faisons. Nous créons cet avenir pour tous nos enfants. Donc, je ne veux plus m'allonger dans la représentation de toute l'équipe de Saint-Jude. J'aimerais souligner particulièrement le travail énorme qu'a fait Paola Friedrich et toute son équipe en Amérique latine et le docteur Catherine Lamy, toute l'équipe de l'OMS. Sachez que nous sommes très fiers que vous faites partie de cette initiative et merci de nous avoir permis de faire partie de ce parcours avec vous. Et donc, nous continuerons avec vous et tous les amis de la région et nous espérons de continuer pouvoir partager et célébrer beaucoup plus de réussites dans l'avenir et tout ce qu'on va développer ensemble. Merci beaucoup et félicitations à tous et à toutes. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci.